Avec tout ça, il est 7h30! Ah, je me suis tellement trompée, checkez-moi ça! Tadam! Gros soleil, mais tu sais, ça sent nuage là, mais quand même! Je pensais qu'il allait mouiller, moi, aujourd'hui. Mais non, mouille pas. Pas encore, en tout cas! Alors, j'ai énormément d'ouvrages, comme vous avez pu voir. J'ai beaucoup de lavage. Puis, c'est ça. Fait que je me mets là-dedans. Écoute, ça faisait quasiment 2 semaines, les filles, que je m'étais pas lavé les cheveux. Ben, ça faisait 2 semaines aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que je suis allée chez la coiffeuse. Puis, ça n'a comme pas rien donné. Puis là, comme vous avez vu, les garçons, dans le bain, ils ont scrappé le... la douchette, là, fait que là, je n'avais pas, mais c'est pas grave, je me suis lavé pareil à les cheveux comme ça, ça a très bien fait. Là, je l'ai fait essorer un petit peu dans ma belle Coco Caribou, et je vais faire le masque que j'ai acheté au salon de Marie-Lou l'autre fois. Donc, c'est Ophélie qui l'a, Ophélie qui me prend toutes mes affaires. La nuit, ça s'est quand même bien passé. Je me suis réveillée vers minuit pour Oscar, 3h, 6h. 19 mois. En tout cas, c'est ça, Jonathan travaille aujourd'hui. Quand il va revenir ce soir, on va sûrement aller faire l'épicerie. Parce que moi, je vais repartir pour le camping demain. Mais en espérant que j'aille le temps aujourd'hui de faire tout mon lavage, le plier. Sérieux, là? Je suis un petit peu découragée. Puis ça, c'est de genre de samedi soir à mercredi. Et que j'en ai une tonne. Mais tu sais, pas grave. Ah, fait que c'est ça, j'ai fait un petit smoothie aux enfants. Là. Ils doivent être en train de me faire plein de marde. Je vais aller voir ça. Puis après ça, je vais me lancer dans le pliage de linge. Je me suis pris le temps de me faire un bon café. C'est vraiment merveilleux. Puis après ça, j'ai pris le temps aussi de faire le masque, comme je vous avais dit, que j'ai acheté chez Marie-Lou. Écoute, je capote, sérieux. Là, je viens de le rincer.
Mais je pouvais passer mes doigts entre mes cheveux sans qu'ils soient mêlés. Ma première brassée de lavage vient de finir. Fait qu'on s'en va faire la deuxième, gang. Puis hier, c'est ça, j'ai oublié de vous dire ça. Quand je suis arrivée, j'ai pris mon bain. Je me suis tellement fait manger par les mouches en fin de semaine. J'en faisais une fixation. Je sais pas si c'est les hormones qui faisaient que ça me grattait encore plus, mais je m'endurais pas pantoute, là. C'était fou raide. Puis j'avais ça ici chez nous, que j'avais déjà acheté dans le passé. Ça fait quand même longtemps, mais ça existe encore. Je me suis dit, hey, je vais me prendre ça. Puis c'est vraiment fait pour ça. C'est aide à soulager les irritations cutanées mineures dues à l'érythème, l'eczéma, les herbes à puce, au sumac vénéneux et aux piqûres d'insectes. Fait que je me suis pris un bon bain. C'est au moins 15 minutes à une demi-heure de trempage. Parce que là, Oscar, à matin, là, puis Marcus, il se bouscule. Voilà, la deuxième est en cours maintenant. Alors, il va me rester le linge. Fait que les brassées de bobette bas puis tout ça, c'est fait. Il commence à mouiller dehors. Hein? Fait que je me suis pas si trompée que ça, finalement. Few a few. Donc, c'est ça, je commence à plier mon linge. J'ai mis un petit passe-partout aux enfants. Et puis, il est 8h30. Enzo vient de se lever. 10h30 déjà. Il a arrêté de mouiller. Il fait super beau. Ben, super beau. Il y a encore des nuages, mais il fait beau soleil. Là, je suis rendue à ma première brassée vient de sèche. Et ma deuxième brassée est prête à mettre dans la sécheuse. Alors, c'est ce que je fais. Oups! Je viens aussi de finir de passer ma balayeuse partout dans la cuisine salon. Ophélie avait pris, parce que ses amis Sandrine et Chloé ont fait dodo ici hier soir. Donc, ils ont pris les coussins du divan. Fait que là, j'ai passé comme une balayeuse là-dedans. Donc là, je vais plier ma brassée que je viens de sortir de la sécheuse. J'ai mis Dumbo aux enfants, puis il n'y a pas personne qui voulait l'écouter. Je l'ai loué, puis il n'y a personne qui l'écoute. C'est pas grave, moi je l'écoute. C'est beau Dumbo. Donc c'est ça que j'ai fait encore une fois. Je vous dis, c'est pas une journée super palpitante, mais ça va être ma journée. Que voulez-vous? J'ai pas le choix de passer par là. Fait que je vais regarder la météo, voir qu'est-ce que ça dit pour demain. Si mon chum s'est trompé ou pas. Ça y arrive des fois qu'il se trompe, le petit tanan. Je viens de finir ma dernière brassée. Je viens de la mettre au lavage, en fait. J'en ai une encore dans la sécheuse et il m'en reste une à plier. Ben, il va m'en rester comme trois pliés. Il est 2h. J'ai pas arrêté. Je vous dis, j'ai mal au bras tellement que j'ai plié du linge aujourd'hui. J'ai les bras morts! Et là, j'attends. Je suis tellement contente! J'attends la belle Véronique, de belle au pluriel, parce que quand on s'est rencontrés à son événement qui a vraiment fait une belle différence dans ma vie, parce que ça m'arrive pas souvent, vous savez que j'ai des sorties puis des petits événements comme ça, fait que j'étais vraiment contente, puis c'était tellement agréable, puis j'ai tellement rencontré des belles personnes que c'est ça, c'était vraiment agréable, c'est vraiment un bel événement. Et je ne veux plus manquer les événements de Véronique dans l'avenir. Alors là, elle vient me porter un chandail pour une belle collabo avec elle. Parce que sur son site internet de Belle au pluriel, elle a des chandails. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Des chandails qu'il faut porter comme un défi. Et puis, j'ai choisi ma petite phrase qu'elle avait parmi ses chandails, puis je pouvais choisir ma couleur, puis la couleur du chandail et de l'imprimer. Donc, elle s'en vient me porter ça! J'ai vraiment hâte de vous expliquer pourquoi, la raison pour laquelle j'ai choisi la petite citation que j'ai choisie. Et puis, c'est ça, fait que je suis super contente, ça en vient bientôt! Je me suis arrangée un petit peu, là, il fait beau soleil, tu sais, là, je pensais qu'elle allait mouiller toute la journée, mais en tout cas, j'avais pas le choix de venir, hein, sérieux, j'avais trop d'affaires à faire.
ce soir, il faut faire l'épicerie, on commence à manquer de stock un peu à roulotte. J'attends que Véro s'en vienne, puis après ça, Oscar fait sa sieste avec le petit puteux en l'air. Oh, tchis, c'est cute! Et puis, c'est ça tout le monde, je vous dis à tantôt! Voilà. Il va s'amener! Non, j'aime ça entendre! Et gars, il y a plein d'éclairs! C'est sombre! Je sais pas si on va en avoir d'autres. J'aime tellement ça, moi, regarder ça, les éclairs, le tonnerre. Quand on est à l'abri, bien entendu. Puis quand on restait à Chicoutimi, avant, on s'installait sur le patio pour regarder ça, mon les enfants. Avec du popcorn et des doudous. Avec du popcorn et des doudous. Mais moi, j'étais pas née. Ouais, c'est vrai. Ou t'étais bébé, j'en souviens plus. On ne l'a jamais fait qu'à lui. En tout cas, c'est pas le temps. C'était plus qu'à moi et Elvin. Ça fait vraiment longtemps. Fait que c'est ça. Non, là, Jonathan est arrivé. J'ai eu de la belle visite de Véronique. Mon beau chandail. Je vais vous montrer ça. Là, il fait tellement sombre dans ma maison que la résolution est pourrie. Vous savez, avec ma tablette, je fais bien ce que je peux. Où est-ce qu'il est? Mon gelé, il était là. Je l'ai monté en haut. Quel chandail? Le chandail noir, en coton ouaté. Ça. Je vais vous montrer ça, je suis tellement contente, c'est tellement beau. Il y a 10 minutes. Réconfortante. C'est que tu as fait ça? Et puis voilà, avec ma grosse bidine. Avec papa, qui se met trop beau pour aller magasiner, pour aller manger. Fait que c'est un médium que j'ai, puis c'est parti avec ma bidine. Tiens. Oh, il y a une grosse. Ouais, jamais. J'en ai certain, j'ai ramassé. Puis je vous expliquerai. Donc moi, j'ai choisi maman et réconfortante, comme vous pouvez voir. T'as pas vu la grosse. Puis je vais vous expliquer tout ça. C'est quoi le but de ces chandails-là. Puis pourquoi j'ai choisi ces petits mots-là en même temps. Alors, on s'en va à la pluie battante. Mais on n'a pas le choix. Je suis au volant du véhicule familial. Et changement de plan. Regardez bien où ce qu'on est. On est en train de magasiner. j'allais pour voir pour moi pour des petites robes d'été parce que j'aime ça des robes longues. Ça cache un peu mes varices que je déteste. Puis en même temps, ben, on est bien là-dedans quand il fait beau. Puis là, ben, Jonathan a été collé parce qu'avec la grosse méga orange, je vais me passer parce que autrefois je me suis fait avertir, ça me tente pas. Avec la grosse méga orange de fou qu'il y a eu tantôt, ben, je vais juste me mettre ici. Là. Lui qui travaille avec Jonathan, excusez-moi l'éclairage, comme on dirait que je suis pas dans le soleil, mais il fait beau là. Alors c'est ça, fait que Jonathan il a dû rentrer d'urgence à l'usine. Fait que je suis venue porter Jonathan à sa job, il est 8h, on n'avait pas fait l'épicerie encore, on s'en allait vers ça. Donc là je vais aller la faire toute seule, une bonne partie, en tout cas je vais essayer. Et puis après ça ben, je vais retourner à la maison, puis je vais venir le chercher, il est parti comme pour un bon 3h au moins. Qui me dit, qui pense, en tout cas, c'est, ça va pas bien. Donc, il avait l'air à dire. C'était comme, il était vraiment stressé, là. Même pas tant d'aller pisser, genre. Tu sais? Fait qu'on est monté direct à la terrière pour venir porter Jonathan. Fait que c'est ça que je fais, là. Je m'en vais à l'épicerie. Je vais aller chez Maxi à Chicoutimi. Et puis, ensuite de ça, je vais me retourner à la maison. Puis, je vais vous faire un petit haul d'achat à la maison. Puis, on va partir demain, de toute façon, pour le camping. Je t'ai arrêté chez Amnésia parce qu'Amnésia ont reçu. Ont re-eu
une collection pour enfants. Puis Elliot, il adorait cet habillé-là. Fait que là, on l'a acheté. J'ai acheté 3 gilets puis 2 paires de bas parce que là, il commence à triper ses bas hauts. Fait que j'ai acheté ça. Il trippe, hein, il va triper ben raide. On lui a fait deux beaux kits gilets bas. Puis après ça, ben c'est ça, là, j'ai hâte de les montrer. Il va être content, je suis pas mal certaine. Fait que je me décolle, je vous reparle un petit peu plus tard. Salut, il est rendu 10h15, si je me trompe pas. Je suis sortie de l'épicerie, il était 9h20 à peu près. Puis j'ai découvert aujourd'hui, chez Maxi, on peut avoir le Wi-Fi gratuit. Donc, c'est ça. J'ai profité d'avoir le Wi-Fi gratuit pour pouvoir parler et avec Jonathan et puis faire mes imbattables. Donc, mon épicerie en tout, ça m'a coûté 178$. C'est pas mal dans les prix qu'on paye par semaine. J'ai pas acheté de viande parce que... Pardon! J'ai tellement des bruits de mon estomac. C'est tellement l'enfer. Hein. Tout le long, là, ça me remontait là, avec du reflux. Oh, ça fait mal. Donc, c'est ça, j'ai pas acheté de viande parce que j'en ai encore beaucoup à la maison. Mais il me manque encore une coupe d'affaires. Mais je vais m'organiser avec ce que j'ai parce que là, c'est ça. Ça va être bien correct. Ensuite de ça, là, Jonathan m'a dit qu'à 11h, il va être sorti. Fait que là, vu qu'il est 11h et 10h15, je vais attendre. Je vais monter tranquillement à l'intérieur, puis je vais attendre là-bas parce que là, ça n'a pas de bon sens de remonter chez nous, de redescendre. Puis, je vais aller au dépanneur m'acheter quelque chose. À manger. J'ai faim un peu, puis c'est ça. Quand j'ai pas soupé vraiment, fait que ça fait pire. Les brûlements d'estomac quand on mange pas. Je me donne pas. Donc, c'est ça. Je vous montrerai pas mes achats ce soir. Je penserai pas. Je suis trop fatiguée. Fait que c'est pas grave, mais en tout cas, c'est pas mal tout le temps les mêmes choses. Là, j'ai fait quelques imbattables pour des biscuits. Puis j'ai acheté des avocats, j'en achète rarement, des mangues, des edamames. J'ai le goût de me faire un pokéball avec des crevettes. J'ai acheté des crevettes congelées. J'ai le goût de manger ça. Puis là, il va me rester comme de la mayonnaise à sushi là, que j'aimerais aller m'acheter chez Aki Sushi, que j'aime vraiment beaucoup. Moi, c'est la Fuji. Elle est vraiment bonne chez Aki Sushi, là. C'est ma préférée. Fait que c'est ça, donc je vais vous laisser. Et puis, on va se reparler demain, probablement. Parce que ce soir, je vais être fatiguée, les enfants vont être survoltés. Mais je pourrais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté à Elliot, par exemple. Parce que là, lui, il va partir avec, puis je pourrais plus vous le montrer après. Donc, comme je dis, Amnésia sont revenus avec le coin enfant. Tu sais, c'est sûr, là, ils ont perdu de l'argent, ça c'était tellement con. Donc, j'ai acheté, il est comme un peu vert menthe, là, je pourrais dire, vert, un petit turquoise, un petit aqua pâle avec un shark. Ça ressemble à sa personnalité, hein, petit requin. Et puis, c'est des West 49, ça. Ensuite de ça, c'était 3 pour 20. J'ai acheté lui, il est comme gris, un peu chiné, avec des petits mini-skates dessus, comme ça. Puis mon petit coup de cœur. J'ai acheté lui avec des petits canards dessus, comme ça. C'est un West 49 aussi, c'était 3 pour 20, c'était vraiment pas cher. Puis là, Elliot, il y a un trip de ce temps-ci, parce que c'est la grosse mode. C'est de mettre des bas qui montent comme à la mi-mollet. Ben, c'est pas juste lui qui met ça, mais c'est tout le monde. On a fait 2 kits, moi puis Jonathan. Donc, avec les petits bas Zoo York, t'en achetais un, t'avais un deuxième à moitié prix. Donc, ils sont à 11,99$. T'avais l'autre à 6$. C'était pas si cher. Ça a coûté 40$ pour ça, c'est pour 5 morceaux. Fait qu'on y a acheté comme... Ouais, c'est trop cute! Je capote! Puis lui, avec les requins, j'ai pris aussi... Ben, j'ai pris la deuxième paire, là. C'est comme des requins. Ben, c'est pas comme des requins, c'est des requins. Fait que ça fitait au bout. Là, on voit pas bien la couleur, mais tu sais ça. Ça va bien ensemble, là. J'étais vraiment fière de mes kits. Il va capoter. Surtout qu'il mérite, hein? C'est ce qu'on se disait, moi puis Jonathan. Il mérite tellement. Hein? Il ne fait jamais fâcher, cet enfant-là. Puis à toutes les fois, il est tellement choquant, en plus. Il me dit qu'il n'y a pas de linge, que son linge est tout le temps sale, que... Tu sais, là? Comme si je ne l'avais pas, ses affaires, lui, là.
Fait que c'est ça. Fait que je vais aller au dépanneur parce que Jonathan m'a demandé une demande spéciale. Il veut goûter à la Beach Day Everyday Sangria. Fait que je vais y acheter ça parce qu'il veut s'en acheter pour en fin de semaine. Et puis, sinon, Ophélie m'a demandé un Starbucks. Puis il va acheter une petite affaire à Enzo aussi parce que là, t'as un petit cœur. Hein? Que voulez-vous? C'est ça la vie. Pas le chouette. Fait que, alors, je repars de ce pas. Et on se reparle demain. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Merci d'avoir été avec, avec moi dans ma journée folle de pliage de linge et de n'importe quoi. Et puis, c'est ça. Je vous aime.